voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire en fait la présentation de mes achats que j'ai pu faire à PAD. Donc cette vidéo, ça va s'intituler les petits achats parce que c'est des petits achats que j'ai effectués donc à PAD et au Trocpad. Donc le premier article que j'ai trouvé sur lequel j'ai flashé au Trocpad, c'est tout simplement une lampe. Ah voilà, il est là. Un petit mort à aiguille, comme ça, taille 115, donc pour la petite somme de 10 euros, je sais pas si vous voyez, voilà, donc pour la somme de 10 euros, donc c'est un taille 115, donc comme vous pouvez vous en douter, c'est pas pour Jean, puisque ça c'est beaucoup trop petit pour lui, c'est pour le petit cheval de mon frère, donc le petit Faos. Et comme il est assez petit, je vais peut-être vous laisser une vidéo là. En taille, et comme on est en train, en cours d'apprentissage de la bride, tout ça, et qu'il me fallait un mort, et j'ai pris ça. J'avais un doute, et puis mon doute s'est envolé puisque ça lui va nickel. Donc après, je sais pas si on... Je pense qu'on va encore changer de mort, hein, en taille de mort, au cours de l'apprentissage, je pense. Parce qu'il va, grandir, il va s'étoffer, je pense aussi. Donc on verra bien avec le temps. Ensuite, mon second achat, et là, c'est plus à PAD que je l'ai fait directement dans le magasin, du coup. Parce que j'ai au Trocpad, il y avait plein de trucs, mais pas... Enfin... C'était pas les choses que je... Enfin, il y avait des choses que je recherchais que j'ai trouvé là-bas au Trocpad, mais il n'y avait pas les tailles que je voulais, enfin, qui convenaient. Donc, j'allais dans le magasin pour continuer mes achats. Donc, j'ai trouvé un petit cure-pied comme ça, donc de balade, de poche. Donc, il se plie comme ça. Et il se déplie. Donc, pour la modique somme de 2,60€. Ah, la macro c'est bête. Donc en fait c'est tout simplement pour partir en balade, hein, parce que quand nous on part en balade en extérieur, des fois moi je sais que je me souviens, les gens une fois ils s'est mis un petit caillou dans la sole et j'avais pas de cure-pied, donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai tout ce que j'avais sous la main, puis j'ai enlevé, puis, mais bon c'est toujours bien utile. Après je pars jamais sans pattes, sans les incontournables du type, dont j'en ai pris deux. Pour 5,60€. Je sais pas si la macro se fait. Enfin, on verra bien. Donc c'est des liquides goût banane. Donc j'en ai pris deux pour les loulous, goût banane tous les deux. Hein, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Après, j'ai racheté un stick rouge. Donc il y en avait plein, hein, pour... Donc pour 5,60€, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, la macro ne veut pas se faire. Donc la poignée elle est comme ça, elle n'est pas en gel, bon, c'est pas grave. Il y avait des sticks en poignée gel, mais il n'y avait pas la couleur que je voulais, il y avait rose, bleu, gris. En poignée gel, parce que c'est génial, hein, la poignée gel, mais il n'y avait pas rouge, donc j'ai pris le seul stick rouge qu'il y avait, comme ça ira très bien avec mon ensemble rouge que j'ai pour ça. Et ensuite, ce qui m'a coûté le plus cher et ce que je recherchais vraiment, parce que pour ceux qui savent pas, je nettoie des couvertures. Oui mon bonhomme, c'est rien, c'est mon chat. Je nettoie des couvertures pour chevaux et du coup j'ai un client qui m'a donné à nettoyer une couverture en fait, hein, tout simplement. Et cette couverture, c'est une couverture coton que je recherche depuis à peu près un an. Et je lui ai demandé, je lui ai lavé et puis quand je lui ai rendu, je lui ai demandé où il l'avait acheté. Il m'a dit qu'il l'avait acheté à PAD. Et donc je suis allée faire un tour pour ça et j'ai trouvé mon bonheur. Donc j'ai trouvé une couverture de la marque coton, hein, de la marque Water Beta. Bon, par contre, le prix, je sais que j'avais le prix. C'est rien, c'est mon portable qui chante. Donc, pour 61,90€, donc c'est ce qui m'a coûté vraiment le plus cher.
Mais c'est vraiment, enfin j'en avais vraiment besoin pour Jean parce que bon comme il est un peu sensible, enfin un peu ceci, un peu cela, comme il est emphysémateux, qui peut prendre des coups de froid, enfin tout ça, c'est toujours utile. Donc voilà. Donc je vous glisserai un close-up juste, oui, juste là, de la couverture, des essayages de la couverture à chevaux. Sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo. Pour me suivre sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui se trouve en barre d'infos à côté de l'abonné. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, vous pouvez vous abonner. Et si vous avez des commentaires, bah, posez-les. Vous pouvez poser vos questions en commentaire en barre en dessous de la barre d'infos. J'y répondrai, hein, y a pas de souci. Pour tout ce qui est questions relatives aux chevaux, relatives à moi, c'est en barre d'infos. Sur ce, bah, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!